Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler des autorités. Donc les autorités en Human Design, c'est la manière dont on est génétiquement conçu pour prendre nos décisions. Donc vous verrez qu'il y a vraiment différents types d'autorités, certaines où on a besoin de plus de temps, d'autres où on peut prendre nos décisions vraiment sur le moment. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et plus on s'aligne avec la manière dont on a été conçu pour prendre nos décisions, plus on ressent de l'alignement, du succès, de la satisfaction en fonction des émotions de chaque type que j'ai traité par rapport aux vidéos précédentes. Et peut-être que plus vous prenez des décisions qui ne correspondent pas à la manière dont vous avez été conçu pour les prendre, et plus vous ressentez de l'amertume, de la frustration, de la déception, de la colère, à nouveau en fonction de votre émotion d'alerte qui vous caractérise. Donc la chose importante à préciser, c'est que personne n'est conçu pour prendre ses décisions à partir de son mental. On vit dans une société où souvent, on nous dit que c'est important de réfléchir avant de prendre une décision, qu'il faut poser le pour et le contre, etc. Et en fait, ça va vraiment à l'encontre de notre nature profonde. Donc voilà, en découvrant le Human Design, ça peut être un déconditionnement à travailler, de se dire comment est-ce que j'ai l'habitude de prendre mes décisions, et si je me reconnecte à la manière dont je suis conçue pour les prendre, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Et vous verrez que souvent ça change beaucoup de choses. Une autre précision par rapport à ce que je viens de dire justement, le Human Design a vraiment comme objectif de permettre aux personnes qui s'y intéressent de vivre une vie beaucoup plus alignée, de s'élever et puis d'être finalement en meilleure santé et plus heureux, mais il n'a jamais pour but de nous limiter. Donc si certaines choses que je dis ne résonnent pas avec vous, vous pouvez laisser ce que je dis de côté. Des fois, on n'est pas dans une période de vie où on est prêt à entendre certaines choses, ou tout simplement ça résonne pas avec ce qu'on a vécu jusqu'ici. Donc vous pouvez vraiment prendre ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous, et laisser le reste de côté. Et puis peut-être vous allez y revenir à un autre moment donné de votre vie, ou pas du tout. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'expérimenter, de tester ce qui fonctionne pour vous. Et puis vous allez aussi trouver votre manière de vivre de manière super alignée. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ce système d'autorité, c'est qu'on est vraiment tous différents dans nos manières de prendre des décisions. Et je trouve que c'est important de connaître notre manière optimale, mais aussi de connaître celle des personnes qui nous entourent. Donc par exemple, si vous vivez en couple et que votre manière à vous de prendre des décisions vous demande du temps, de dormir dessus, et que la personne avec qui vous vivez peut prendre ses décisions de manière instantanée et que c'est comme ça que ça va lui réussir, ça peut créer des fois un décalage si on n'est pas conscient que c'est simplement que on est différent et que c'est juste de chaque côté, mais que c'est un beau cadeau aussi à faire aux autres personnes que d'accueillir leurs différences et d'en faire une force. Vous avez une autorité autoprojetée ou projetée du soi si vous êtes un projecteur. Voilà, cette autorité ne concerne que les projecteurs et sur votre schéma, c'est la vôtre. Si vous avez le centre G et le centre de la gorge qui sont reliés par un canal et donc qui sont chacun définis, et que vous n'avez pas le plexus solaire ou le splénique de défini sur votre schéma, c'est une autorité qui est assez rare. Elle vous permet vraiment de prendre des décisions de manière relativement immédiate, en vous posant la question: est-ce que si je pars dans cette direction, ça va me rendre heureux, heureuse? Est-ce que cette décision me représente profondément, me permet d'être qui je suis si j'y vais? Est-ce qu'elle va me mener dans la bonne direction? Donc voilà, c'est vraiment des questions qui sont importantes à avoir en tête si vous avez ce type d'autorité. C'est vraiment, il y a une invitation de la part de quelqu'un ou une décision que vous avez à prendre. Il y a ce filtre au niveau des questions à vous poser. Et puis la décision, elle va sortir ou se manifester de la meilleure des manières si vous prenez le temps de la verbaliser. Donc voilà, ça peut vraiment être, par exemple, je sais pas, si vous faites une note vocale à un ami ou quelqu'un de votre famille, puis que vous êtes en train d'expliquer que vous avez cette possibilité-là, et peut-être rien qu'en faisant cette note vocale, vous allez
pouvoir manifester une réponse en vous disant ah ouais mais je sens que là quand je parle ça me donne trop envie et puis du coup je vais y aller, je vais le faire, c'est trop bien, puis vous raccrochez, puis go, vous y allez, ou bien au contraire vous sentez que vous êtes plombé quand vous êtes en train d'expliquer, etc. Donc ça peut être ça, ça peut être en interaction avec quelqu'un d'autre directement. Et donc là, c'est super important de s'entourer de personnes de confiance et d'expliquer que vous avez juste besoin de verbaliser les choses et que l'autre ait un effet miroir par rapport à ça, mais en aucun cas qu'il vous donne des conseils. Vraiment, ça c'est contre-indiqué dans toutes les manières de prendre des décisions. Personne n'est censé venir nous donner des conseils, mais juste de refléter ce qu'il ressent par rapport à ce que vous êtes en train d'expliquer. Est-ce que cette personne peut vous faire un retour par rapport au non-verbal quand vous parlez de telle ou telle option? Est-ce qu'il sent que, voilà, vous avez l'air d'avoir des papillons dans le ventre, les yeux qui pétillent en parlant de cette option, ou au contraire que justement vous vous refermez un petit peu sur vous-même quand vous parlez de l'autre. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui peuvent vous aider, de vous entourer de personnes qui peuvent entendre ce que vous avez à dire et puis relater comment ça s'est manifesté dans votre corps. Et puis vraiment vous, de vous entraîner à le faire, verbaliser les choses sans le filtre du mental. Donc, ne réfléchissez pas à ce que vous êtes en train de dire. Juste, voilà, parlez et puis à un moment donné, de manière assez rapide, la décision va se manifester. Donc, je pense que ça doit faire écho à ce que vous avez peut-être déjà vécu par rapport aux prises de décision. Peut-être vous avez déjà mis en place ce genre de choses de manière naturel, ça se fait tout naturellement, ou bien vous avez, on vous a dit, mais vraiment, prends le temps de réfléchir, et puis prends le week-end, etc. Et puis, voilà, vous avez senti que finalement, vous avez pris une décision avec le temps, mais ça n'a pas du tout convenu, matché au niveau énergétique, et c'est parce que vous n'êtes pas conçu pour ça. Et plus vous allez vous donner du temps, plus justement votre mental va prendre le dessus et du coup, vous amener dans quelque chose de désaligné par rapport à votre fonctionnement de base. Donc voilà, vraiment entraînez-vous par rapport aux questions que je vous ai données au départ pour des petites décisions du quotidien. Est-ce que si je vais à cet endroit aujourd'hui, ça va me rendre pleinement heureux? Est-ce que si je cuisine ce plat, ça va me rendre pleinement heureux? Etc. Entraînez-vous sur les petites choses et puis ensuite, ça deviendra beaucoup plus naturel sur les grandes décisions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé et puis vraiment, sachez que plus vous serez aligné avec votre système naturel de décision, plus ça va rendre votre aura, votre niveau d'énergie lumineux et ça va vraiment impacter le monde d'une manière toute simple, toute naturelle, mais en vous alignant vous d'abord. Je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée. À tout bientôt!